Nous sommes au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais. À la sortie de Drocourt, un village situé à 4 km d'Hénin-Beaumont. Dès 1879 et pendant plus de 100 ans, la Compagnie des mines de Drocourt, puis les charbonnages de France, exploitèrent ici un trésor contenu dans le sol, la houille. Voici ce qu'il reste aujourd'hui de la coquerie de Drocourt, où l'on transformait le charbon en un combustible de meilleure qualité, la coke. Créée en 1925 et détruite en 2003, la coquerie était un fleuron de l'industrie charbonnière du Pas-de-Calais. En 1969, près de 600 ouvriers travaillaient ici. Après une baisse progressive de la production et en l'absence de repreneurs, l'activité de la coquerie est entièrement arrêtée en mars 2002. Puis les installations sont détruites dans les mois qui suivent. Ces quelques murs sont les témoins d'une époque industrielle révolue. En prêtant l'oreille, on pourrait presque entendre l'écho imperceptible des voix de ces mineurs et de ces ouvriers qui ont rythmé la vie de ce lieu pendant près d'un siècle. Que reste-t-il aux habitants de Drocourt maintenant que le charbon n'est plus là? Comment vivre dans un lieu qui porte en lui et de façon si éclatante les stigmates de la désindustrialisation ?